Il est terminé de retour au quotidien avec le Barça, avec nos problèmes quotidiens. Mais vous savez quoi Ces problèmes, cette dépression-là constante, c'est la mienne. Et je la kiffe. Honnêtement, je vous le dis sincèrement. Le Barça m'a manqué Oui, je vous ai fait cette intro, mais bon, c'était pour la vanne. En réalité, en vrai de vrai, au fond, le Barça m'a énormément manqué. Et j'ai vu pas mal de personnes dire « Ouais, on va retourner en dépression, ce club qui va nous faire souffrir, j'ai pas hâte !» Eh les gars, personne ne vous oblige à regarder le Barça. Si vous ne voulez pas, nous, laissez-nous avec notre dépression, avec notre club, on va continuer à le regarder. À titre personnel, j'avais hâte de retrouver le Barça. J'ai vibré de fou durant la Coupe du Monde, notamment avec le Graal de l'Argentine, voilà, c'était des émotions de fou, mais pour être honnête, pour moi, je dis bien pour moi, et je le répète, pour moi, l'excitation que j'ai avant un match du Barça, un vieux match du Barça en déplacement, je sais pas moi, à Elche ou à Leganés peu importe, cette excitation-là, je ne l'ai eu dans aucun match de cette Coupe du Monde. Alors oui, j'ai kiffé encore une fois les matchs de la Coupe du Monde, ça m'a procuré beaucoup d'émotions, mais je parle là de l'excitation, de l'attachement que j'ai vis-à-vis de tout ça. Le Barça, même si on est en 50e division, on se déplace dans une 60e division, ben je serais Toujours autant excité de regarder le Barça, je compte les jours. Pourtant, là je dramatise beaucoup, mais le Barça est en très bonne posture. Par exemple, en Liga, n'oublie pas que le Barça est actuellement leader de la Liga devant le Real Madrid, deux points devant le Real Madrid. Et il y aura énormément de choses à dire durant cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par Football Team. Football Team est un jeu de foot dans lequel vous incarnez un pro, vous l'entraînez afin qu'il gagne en expérience, en niveau, et ensuite vous intégrez une équipe. Moi j'ai déjà ma propre équipe et vous êtes déjà nombreux à m'avoir rejoint, même si on se de prendre des tolls parce que j'ai plein de défenseurs ou des joueurs de très haut niveau parce que tout le monde déjà veut jouer devant et vous pouvez créer votre propre club et former avec vos amis un club pour pouvoir gravir les échelons et intégrer des ligues. D'ailleurs, je vous suggère fortement de créer votre club actuellement parce qu'il y a l'événement relié à l'hiver. Vous pouvez recevoir grâce à cette promo d'hiver justement de récompenses premium journalières qui peuvent valoir jusqu'à 11500 énergie en plus d'un total de 69 packs accumulable. Donc vous pourrez grâce à ça entraîner vos joueurs, les entraînements seront moins chers durant cette période, vous aurez beaucoup d'améliorations durant cette période et si vous utilisez mon lien en description, en plus vous aurez 200 points énergie supplémentaires pour entraîner votre joueur. Le lien sera en description. Alors, on commence par où on avait terminé. Oui, le Barça est leader du championnat d'Espagne. Le Barça va devoir désormais faire la course en tête. Et ça, ce n'est plus arrivé au Barça depuis l'époque des dinosaures. Là, le Real Madrid, je pense, ils vont jouer vendredi. Donc déjà, ils vont essayer de te mettre la pression de gagner. Donc si tu ne réponds pas derrière, tu perds tout de suite ta place de leader. Donc ça va être mano à mano comme ça, être fort, être solide mentalement. faut pas oublier qu'il y a pas mal de jeunes joueurs dans cette équipe du Barça. Il va falloir qu'ils apprennent à gérer ce type d'événement en fait. Et là, on part justement. De jeunes joueurs, là, à la Coupe du Monde, on en a parlé avant le début de la Coupe du Monde. Il y avait beaucoup d'entre vous qui étiez inquiets, vous aviez peur de voir beaucoup de blessés. Au final, le Barça se retrouve avec aujourd'hui un effectif. Au complet pour la reprise, pour la première fois de la saison, le Barça, Tchavi aura un effectif au complet. On se rappelle, en début de saison, il y avait le problème avec les enregistrements des joueurs, on n'avait pas les Koundé. Du coup, il y a eu un peu de retard, on va dire, l'allumage, fallait mettre tout ça en place. Aujourd'hui, enfin, on peut dire que voilà, tout le monde est là, même si je pense que peut-être que Hararo n'est pas encore à 100%, mais je veux dire, tu as Jules Koundé, qui est déjà dans le rythme de la compétition, il revient de la Coupe du Monde, tu as Christensen, là déjà tu as une charnière extrêmement solide pour repartir directement comme ça, attaquer la Liga. Surtout que les deux joueurs, ils ont été en plus euh, assez intéressants durant la Coupe du Monde. Bon, Jules Koundé, il a un peu galéré à droite, c'est par son poste, on le sait, mais dans l'axe, il est monstrueux, il n'a même, même pas pu jouer à ce poste durant la Coupe du Monde. Donc, déjà, nous, au Barça, on sait ce que Koundé y vaut, donc Koundé, Christensen dans l'axe, c'est parfait. Fait pour la compétition directement comme ça. Ils sont en rythme. Ça, c'est important parce que il y a des joueurs qui n'ont pas joué depuis pas mal de temps, notamment Arauro. Qui lui, il revient de blessure, comme il vient de le dire. Et moi, je suis vraiment content que l'Uruguay, à titre personnel, c'est vraiment égoïste de ma part, mais voilà, je pense à mes intérêts. Je suis content que l'Uruguay soit sorti, je veux dire, assez tôt parce que s'il n'étaient pas sorti assez tôt, ben ils auraient rushé Arauro et il aurait rechuté, tout simplement. Il aurait aggravé sa blessure lorsqu'on voit que il revient à peine. Là, là, il retrouve à peine ses coéquipiers pour l'entraînement de groupe parce qu il s'entraînait de manière individuelle assez récemment, donc il n'était pas du tout prêt pour la coup d'onde. Pourtant, la fédération uruguayenne a voulu forcer. Heureusement que le Barça s'est interposé de force pour l'empêcher de jouer. Bref, c'est par rapport à l'euro au, au, et aux blessures. Pour le reste, il y a eu aussi, voilà, des internationaux qui sont revenus plutôt que prévu, notamment Ousmane Dembélé. On a parlé tout de suite du cas Dembélé parce que voici un joueur dont le contrat expire très bientôt, parce que le Barça ne l'avait prolongé que d'une année supplémentaire. Du coup, la question concernant son avenir va se poser là, là. dès l'hiver. va falloir agir que ce soit le prolonger ou le vendre c'est maintenant qu'il faut agir le Barça ne peut pas se retrouver dans la même situation que la dernière fois avec lui donc je pense que à de toute façon il va gérer le dossier je m'inquiète vraiment pas pour ça on verra bien comment ça va se passer maintenant le Barça va devoir affronter donc cette reprise sans Lewandowski qui a été suspendu trois matchs on le rappelle et quand on sait l'importance qu'il a dans cette équipe pour marquer les buts, meilleur buteur de la Liga quand même, faut le rappeler, bah, ça fait peur pour par exemple les déplacements à la Madrid. Est-ce que son absence va se faire ressentir pour l'espagnol Moi, pourquoi je suis stressé C'est pas tant par l'absence de Lewandowski, mais c'est plus par rapport au manque de rythme. Est-ce que l'équipe aura déjà le rythme nécessaire pour enchaîner comme il le faisait euh, au camp nou face à, aux équipes moyennes ou faibles On verra bien, mais voilà, je suis quand même un peu surpris que le Barça Joué aucun match amical durant cette coupure internationale, on verra bien. Mais Lewandowski, moi, son absence, c'est vraiment contre l'Atlético Madrid que ça m'inquiète. Là, je on rappelle quand même que Piquet avait terminé sa carrière en insultant la descendance des arbitres. Parce que ouais, les chefs, c'était ça notre quotidien avec les arbitres. Il y avait tout le temps un problème avec l'arbitrage. Chaque semaine, il y avait un scandale avec l'arbitrage. D'ailleurs, c'était un miracle que le Barça soit allé gagner sur cette pelouse de Osasuna, comme ça, grâce au but de Rafinha à la dernière seconde. Rafinha, d'ailleurs, qui avait été un peu, euh, était la cible des, des médias à... à à Barcelone, ça parle de rumeurs de vente et tout, alors que le type, il te met quand même la passe décisive pour Lewandowski à Mestalla pour aller gagner 1-0 à la fin du match, il te met le but qui te permet de garder la tête de la liga. Donc voilà, un joueur qui vient d'arriver, il est déjà lynché comme ça par la presse, ça me rappelle aussi un peu l'acharnement qu'il y avait eu sur Caissier il y a quelques, quelques semaines. Bref, je ne pense pas que cette rumeur soit véridique. Un joueur qui vient d'arriver, qui n'a même pas 6 mois au club pour qui tu t'a déboursé pas mal d'argent, le laisser partir comme ça, non. J'y crois zéro, j'y crois vraiment zéro. Bref, aujourd'hui donc le Barça va attaquer pour moi une nouvelle saison, comme j'ai dit dans le titre de la vidéo, c'est une nouvelle saison là. Alors certes une nouvelle saison sans Lewandowski lors des trois premiers matchs, mais tu as quand même des joueurs en attaque qui peuvent pallier à son absence. Je dis pas qu'ils peuvent pallier son nombre de buts incroyable qu'il mettait, mais voilà, euh, si tu joues de manière vraiment collective, bah, tout le monde peut marquer. Tout le monde peut marquer si tu es bon, je veux dire ton animation elle est bonne. Donc voilà, les Hansoufati, euh, Ferran Torres, Raffinia, démêler tout le monde doit contribuer en termes de but pour compenser l'absence de Lewandowski euh, jusqu'à son retour. Et en parlant de son retour, justement, bah, Lewandowski avec ses matchs de suspension, il ne reviendra que le 29 janvier, normalement, en Liga. Ça veut dire que le mec, il n'a plus joué là depuis quoi Le 4 décembre, il me semble, contre la France, le, lors de leur élimination. Ça fait quand même beaucoup là, ça fait beaucoup de temps d'arrêt. C'est pour, pourquoi justement, j'ai J'espère qu'il sera euh, titulaire pour le match de Coupe du Roi en milieu de semaine contre Intercity. Il me semble qu'on a euh, chopé en Coupe du Roi. J'espère donc qu'il sera aligné pour ce match, qu'il se défoule sur cette équipe-là, qu'il leur mette, je sais pas, 25, 30, 45 buts durant ce match-là. C'est son problème. En tout cas, qu'il garde le rythme comme ça. Et justement, il faudrait voir le règlement des suspensions par rapport aux compétitions. Si c'est juste la Liga, bah, il sera disponible pour ce match-là et pour le match de Super Coupe d'Espagne euh, la semaine juste après contre le Bétis qui sera lui un match, je pense, un peu plus important. Donc voilà. Ça pourra permettre à Lewandowski de garder le rythme avant de revenir en Liga. En attendant, derrière, il faut que le reste, les autres, y fassent le boulot. La question par rapport à Busquets va se poser également. Il a pris sa retraite internationale, c'est officiel. Il ne jouera plus avec l'équipe espagnole. Et là, Laporta a déclaré à demi-mot que Busquets partira soit en janvier, soit en fin de saison. Il a également déclaré que Xavi essaie de le convaincre de rester davantage. Moi, moi j'ai envie de dire que Xavi, en fait, je sais pas c'est quoi son projet. J'arrive plus à, à comprendre. Parce que, pour le coup, je ne sais pas c'est quoi le projet de vouloir prolonger Busquets. Je ne comprendrai jamais ça. Là, tu as Frankie de Jong qui t'a montré en plus, dans certains matchs, comme contre Villarreal assez récemment, qu'il peut jouer en 6. Si tu lui donnes ben, les outils nécessaires, tu lui montres comment faire, tu lui, tu lui expliques son, son rôle tout simplement. Et pourquoi ne pas donner sa chance définitivement à Frankie de Jong durant cette deuxième partie de saison pour préparer justement l'avenir, moi je vais beaucoup juger Xavi sur cette deuxième partie de saison par rapport à sa décision, par rapport à pas mal de choix euh, douteux qu'il a eu à faire, qui nous ont aussi euh, amené en Europa League, même si c'est pas la seule raison, je l'ai dit plein de fois sur cette chaîne il euh, y a eu pas mal d'autres facteurs on va pas revenir dessus, mais voilà Xavi a également une part de responsabilité Et Dieu sait que je le défends sur pas mal de sujets ici, beaucoup de critiques abusives sur lui dans la communauté, pourtant je le défends sur pas mal de points, mais le Kabuskets je ne pourrais pas comprendre Xavi. Euh, honnêtement, il a, va avoir quoi 30, 35 ans. Bref, aujourd'hui Xavi va avoir un effectif au complet. L'effectif qui était censé être le sien en début de saison, qu'il n'a pas réellement eu à cause de problèmes administratifs, de blessures. Là, il a l'effectif qu'il aurait dû avoir en début de saison. Et c'est pourquoi il n'a aucune excuse. La lui-même Xavi l'a dit, qu'il doit ramener un titre. Que cette saison, il faut un titre. Que ça, et la Liga en priorité. Et pour l'instant, je l'ai déjà dit, Xavi fait du très bon boulot en Liga parce que je ne vais pas minimiser la Liga parce que oui le Barça est premier malgré le fait que le Real Madrid euh, l'ait battu mais le Real Madrid est dans les mêmes standards quasiment que la saison dernière en termes de points c'est juste le Barça qui lui fait largement mieux que la saison, der la saison dernière je pense qu'on était à la 9 place, 8ème place à ce stade de la saison si ce n'est un peu plus bas ou un peu plus haut je me rappelle plus mais là le Barça en termes de points, vous comparez à quoi 14e 15e journée, 14e je pense. Mais bah, le Barça aujourd'hui a un visage totalement différent en Liga. Le Barça encaisse peu de buts, le Barça marque beaucoup de buts, meilleure attaque, meilleure défense de la Liga, ce n'est pas un hasard. si le Barça est premier actuellement, ce n'est pas un hold up. Même si tu perds le Clasico, le Clasico c'est juste un match, c'est trois points. Voilà, c'est la, la, la Liga, c'est la constance et le Barça pour l'instant montre de la constance depuis le début. Et ça, c'est tout à l'honneur de Xavi, malgré les absences, les blessures, les difficultés, les problèmes d'arbitrage en Liga, faut pas l'oublier, parce que le Barça, ne serait-ce que le dernier match contre Sassuna, le but qu'il marque au Sasuna est totalement irréel en fait, un placage comme au rugby sous les yeux de l'arbitre, sous les yeux de la VAR qui a validé ce but, le premier penalty de la saison oubliée contre le Rayo Vallecano sur Lewandowski, tout ça, ce sont des détails. Le Barça surmonter tout ça pour être premier. Donc c'est une première place totalement méritée. Il va falloir que Xavi prenne les bonnes décisions pour continuer à être premier jusqu'à la fin de la saison et enfin ramener ce titre de Liga qui fut au Barça. Bref, j'ai extrêmement hâte d'être à samedi pour le match donc de reprise face à l'Espagnol. Je pense qu'ici à Montréal, on joue à 8 heures Je vais donc devoir me réveiller pour ces mecs-là. J'espère qu'ils ne vont pas me faire une purge parce que voilà, moi j'ai vraiment peur avec le manque de rythme et tout. Euh, voilà, je vois un match qui va être un peu dur à, à décanter mais voilà, si le Barça réussit à marquer Assez vite, ça se, ils pourront se faciliter le match, surtout que ça reste un derby, donc je ne prendrai jamais à aller légère cette équipe de l'Espagnol. On se retrouve donc pour le débrief du match juste après. D'ici là, comme vous le savez, prenez tous soin de vous et à très vite.